Bien, madame, monsieur, bonsoir et merci de choisir Centrale Radio et Télévision pour le compte de votre magazine Les Débats de ce soir. Ces débats de ce soir d'aujourd'hui, c'est un débat de ce soir extrêmement spécial parce qu'il est consacré à la réaction d'une personnalité d'État que vous reconnaissez dans la montagneuse vie délicatie qui va devoir éclairer la lanterne de la population sur tout ce qui a été dit sur sa modeste personne par les députés nationaux élus de la montagneuse vie délicatie. L'honorable Kyler Moubambe qui a tenu à accuser à tort ou à raison Maître Sefer Ramazani Sefou, président de la fondation qui porte son nom. La fondation des amis de Maître Sefer Ramazani Sefou d'être à l'origine bien évidemment des rumeurs qui circulent dans la montagneuse vie délicatie, l'accusant d'être à l'origine de l'interpellation, bien évidemment, des maîtres Sefer Ramazani Sefou dans la ville-province de Kinshasa par les services de l'ordre ou les services de la direction des migrations au niveau de la République démocratique du Congo ou la direction générale des migrations au niveau de la République démocratique du Congo. La DGM qui avait interpellé maître Sefer Ramazani Sefou à l'aéroport international d'Ndjili. Vous avez suivi, bien évidemment, sur les antennes de la centrale radio et télévision, tous les détails que ces derniers avaient donnés de l'interpellation qu'il avait fait l'objet au niveau de l'aéroport international d'Ndjili, comme quoi il serait à l'origine d'une plainte orchestrée par la justice de la République démocratique du Congo, laquelle plainte faisait l'objet, bien évidemment, de la personne de Maître Sefer Ramazani Sefou. À l'aéroport international d'Ndjili, les agents de la DGM avaient estimé que ces derniers étaient sur la liste des personnalités recherchées par ces services ou par la justice de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont suivi la procédure normale en allant répondre au niveau du parquet général après les tribunaux de grande instance de Kinshasa, Gombe, question de voir si seulement il était la personne impliquée dans les faits pour lesquels la DGM était en train de rechercher la personne qui porterait son nom. Mais arrivé au niveau de la justice, on a fait appel à la personne qui avait porté plainte, mais cette dernière ne s'était pas prononcée et par la suite, il a été démontré que c'était une erreur de la part de la justice RD congolaise parce que ce n'était pas Maître Sefer Ramazani Sefou qui était poursuivi par la justice RD congolaise et ce dernier a regagné la montagneuse vie délicatie alors que beaucoup avaient estimé que ça s'apparentait à des faits politiques compte tenu des réactions qu'il nécessitait de mettre dans la montagneuse vie délicatie parce que pour beaucoup qui connaissent Maître Sefer Ramazani Sefou, ils vous diront que c'est un acteur qui s'est imposé de part ses avis politiques sur des questions qui dominent l'actualité au niveau de la montagneuse vie délicatie, mais aussi les actions caritatives, un politique de renom qui s'est imposé dans la montagneuse vie délicatie et qui serait en train de faire peur à certains acteurs politiques de la montagneuse vie délicatie. Alors, pour beaucoup, c'est sur base de sa carrière politique que ce dernier a été interpellé dans la montagneuse vie délicatie. Vous avez suivi un accueil triomphal de ce dernier dans la montagneuse vie délicatie. Alors, beaucoup étaient en train d'imputer ou d'accuser les noms de l'honorable Kyler Moubambe et celui-ci a tenu à fixer la population qu'il n'y ait ni de près ni de loin dans cette interpellation de Maître Sefer Ramazani Sefou parce qu'il estime que lui a des adversaires, des renoms au niveau de la politique RD congolaise. Maître Sefer Ramazani Sefou aurait l'âge de son enfant et qu'il n'avait rien à voir avec ces derniers pour qu'il y ait un conflit politique. Pour lui, Maître Sefer Ramazani Sefou aurait été interpellé pour des faits qui concernaient la corruption ou l'escroquerie au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, lui n'a jamais fait des actions ou des affaires avec Maître Sefer Ramazani Sefou. Si celui-ci a été interpellé pour escroquerie, donc ça ne devait pas être l'honorable Kyler qui pouvait être à l'origine de cette interpellation. À la question de savoir si seulement il y aurait des conflits entre les deux personnalités, lui a signifié qu'il n'a jamais eu un conflit avec Maître Sefer Ramazani Sefou. C'est un jeune qui venait de commencer à peine la politique et il doit tout faire pour s'imposer et non pas chercher des conflits avec X, Y personnes. Maître Sefer Ramazani Sefou, notre rédaction a choisi de l'inviter aussi pour qu'il puisse éclairer la lanterne de la population. Parce que, à entendre parler l'honorable Kyler Moubambe, ça serait une supercherie de Maître Sefer Ramazani Sefou pour s'imposer dans les chefs de la population et de la montagneuse vie délicatie ou s'attirer la sympathie de vos populations
de la montagneuse ville de Likasi. Alors, pour parler autour de cette réaction, nous nous sommes fait le devoir d'inviter Maître Sefer Ramazan Issefou, qui est déjà avec nous dans ce studio de la radio-télévision centrale. Bonsoir, Maître, et bienvenue. Merci et bonsoir, très heureux, tout. Ça fait longtemps que très longtemps, en tout cas. Dans ces beaux studios de Centrale TV. Mm-hmm. En fait, nous sommes là, compte tenu peut-être des devoirs professionnels. Oui. On était un peu absent, ou sinon, on est là. Vous êtes là? Comment se porte Maître Sefer? Bon, je me porte bien grâce à Dieu. Mm-hmm. Dieu nous continue quand même à nous protéger et nous porte bien. Merci beaucoup. On va suivre un extrait de la déclaration de l'honorable Killer Mubambe et revenir pour analyser. Le président Moïse. Et puis, bon, lui, quand on l'a arrêté, il a dit qu'on lui aurait demandé, confisqué des passeports. Or, ce cadre n'est pas avec la réalité, parce que quand vous voyagez en national, la DGM ne peut pas vous demander de passeport, Donc, nous sommes au niveau d'ici. Je vais remonter. S'il a été arrêté, moi, j'irai voir la ministre de la Justice pour qu'on puisse interpeller le magistrat et qu'on sache qui l'a fait, qui a fait arrêter au juste Maître Sefer. Vous savez, être arrêté, nous, on a été arrêté avec les séries qui comptaient. Hein, on ne peut pas s'amuser. Et le fait d'être. Et puis, lui, c'est pour qu'il était arrêté, mais il était à signer à l'hôtel pour comment? Quelqu'un qu'on arrête, si c'est pour des fins politiques, automatiquement, vous devez être à l'ANR, si c'est pour des fins politiques sociaux, c'était pour un problème d'escroquerie. Qu'est-ce qu'il avait escroqué? Moi, je n'ai jamais fait de business avec lui. Donc, les gens qui croient que moi, je suis concerné dans les dossiers de Maître Sefer, en tout cas, je ne suis pas concerné. Moi, je m'occupe de la population de Likasi, je m'occupe de la population de Kambov, je m'occupe de la situation des travailleurs de la GECAMINA, de la SNCC, de la SNEL, et de l'INSS. Donc voilà un peu le dossier auquel l'honorable Tiver est en train de s'occuper. Je ne peux pas m'occuper dans des salles boulot moi-même, vous savez, il y a mon fils qui a été arrêté, parce qu'il fallait que je change de camp, que je travaille. Bon, et lui, il a été arrêté pour dire quoi? Bon, il n'y a rien, il n'y a. Moi, je n'ai pas de problème avec Maître Sefer. Il sait lui-même que jusque-là, d'après les propositions des fonctions qui ont été faites par le coordonnateur provincial qui est Abraham Titanica, c'est moi qui suis le président. Donc, le numéro un, le fédéral de l'ensemble. Pourquoi? Compte tenu d'abord du poids politique. Notre parti a fait sortir des députés, tandis que lui, avec son parti MS, ils n'ont aucun député au niveau de l'Ikasi, aucun député au niveau de la province du Katanga. Donc, eux, ils ont à prendre dans cette mixage, dans le mélange qu'on a eu à faire dans le brassage, c'est eux qui ont à prendre dans ce que nous connaissons, nous n'avons rien à prendre d'eux. Donc, voilà un peu. Donc, c'est archi faux que les gens s'apaisent. Moi, je n'ai pas de problème avec certains. D'ailleurs, c'est un de mes collaborateurs. Il a l'âge de mes enfants. Comment est-ce que moi, je peux me disputer avec quelqu'un qui a l'âge de mes enfants? Moi, vous savez avec qui je me dispute au niveau de Kinshasa, au niveau de Likasi. Il y a le maire Petoué qui est là, qui est mon neveu aussi, mais tous nous collaborons. Quand ça ne va pas, je le vois, monsieur le maire, ça ne va pas. Et même voir au niveau de la province du Katanga, je me dispute avec le gouverneur positivement, pas négativement, je me dispute positivement. Donc voilà un peu le genre de dispute que l'honorable Killer peut avoir, et non pas des histoires de banane. Il n'y a pas un problème de conflit. Le problème qui est là, c'est lequel Bien, Maître Sefer Ramazan Issefou, vous avez suivi presque la grande partie ou la majeure partie des dires de l'honorable Killer Mubambe à votre égard. Il se trouve que vous avez orchestré une supercherie pour vous faire populaire dans les chiffres de la population de la montagneuse ville de Likasi. C'est quoi votre réaction? Bon, je ne rigole pas par joie de le faire. Mmh. Je suis juste peut-être ahuri. Pourquoi pas, je suis au regret d'entendre
un monsieur dépité de surcroît de tels propos. Vous savez, tout ce que nous faisons ici, même tout ce que nous parlons à la télé, nous ne parlons pas pour parler. Vous allez m'excuser, j'essaierai par moment français, swahili pour oui, que... Oui, oui, pour éclairer la lanterne de la population. Nous ne parlons pas pour parler. Tout ce que nous parlons, des fois, reflète notre éducation. Dès la famille et l'entourage. Ça, je vous l'ai dit, il faut bien les retenir. Voilà les micros que vous voyez. Ce n'est pas pour rien, des fois, on vous censure. C'est pour éviter de faire passer certains messages qui peuvent être de nature à choquer et qui peuvent créer des dégâts énormes. Génocide du Rwanda, on vous dit, c'est par des médias, oui. Radio des Mille Collines. Et donc, depuis d'abord mon retour ici à Likasi, je ne suis même pas passé par votre média pour expliquer en détail tout ce qui m'était arrivé à Kinshasa. Mais plutôt, j'avais dit, tout cela ou tout celui qui concocte quelque chose contre moi, je pense que ça sera voué à l'échec, parce que nous avons notre Dieu qui nous protège. Et j'avais dit, je les pardonne au nom de Dieu. Et j'avais également dit, rien ne vient au hasard sans la volonté de Dieu. Nous le croyons. Mais lorsque j'ai entendu, j'ai reçu assez d'appels venant déjà, même de Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, pour me parler de tels propos. J'ai des difficultés à réagir, compte tenu d'abord de sa personnalité, de son âge, de ses croix. Mais je dois lui dire que moi, je n'ai pas l'âge de ses enfants. Il doit le savoir. Au moins qu'il me prouve les comptes. Moi, j'ai 40 ans. Et en politique, il n'y a pas l'âge. Joseph a dirigé ce pays à 29 ans. Il avait même Bankamboyabo, Baba Bayaki. Il les avait dirigés. Et vous voulez amener l'âge dans la politique? Ça montre déjà les degrés de quelqu'un. Et c'est de là. De quoi de, c'est, de, c'est les complexes d'infériorité. Pas de supériorité, mais d'infériorité. Moi, je ne suis pas dépité. Parce que d'entre eux, il a dit, quand vous avez posé la question sur la situation qui m'était arrivée, il a dit, c'est de la distraction. Comment vous intéressez-vous de la distraction? Comment? Vous savez que c'est de la distraction. On a dit intéressé, Dieu anime la distraction. Lui s'intéresse des grands gabarits. Bien qu'il a parlé des grands gabarits. Les il a parlé des grands gabarits. C'est les bons français. Janine Mabunda, Noël Chani, Rwanda, tout ça. Je suis désolé d'entendre de lui ça. Et c'est une déception. Population Likasi qu'on a chiqué. Alors que population les mou pas manda. Wende ou Kinshasa ou tout se mêlé yéko. Mais il y a rien d'abou j'intéressé na mambo ya Mabunda. Na Chani. Mais on a sa bouke. Le ou Likasi majorité. Ya Likasi a ina kura. Likasi majorité a ina balabala. Mai ya inako, kazi ya inako, ma salaire maigre, insécurité. Donc, il oublie tout ça. Il se dit, moi c'est Mabunda. Likasi mwintumaka ku Kinshasa, ni j'intéressé na Mabunda, na Noël Chani. C'est ce que je dis souvent ku population à Likasi. Touchi voter, Dieu a ku voter. Heureusement, ma vote na 2018, et on a un problème, parce qu'il faut tout y avoir riche. Il y avait des nominations, on ne sait pas si tout le monde qui est là est parmi les gens. Bali Bali Kouaka nommé la population. Point d'interrogation. Et maintenant, on vous dit non, voilà. Il a été interpellé pour un problème d'escroquerie. Je suis ahuri d'apprendre cela. Et je me dis, ah bon, lui qui est là, pendant que j'avais des problèmes à Kinshasa, il m'avait appelé moi.
Comment a-t-il su qu'il y a un problème escroquerie? Question. Comment a-t-il su que Mie n'y a un problème escroquerie? Même mon meeting yango, je n'ai parlé d'aucun point concernant les problèmes Niguano Kinshasa. Boye Ali Djouadji. En réalité, Maître Sefer Mazani, est-ce que vous pouvez d'abord éclairer la lanterne de la population sur la genèse de cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé réellement et pourquoi certains prétendent que c'est un problème d'escroquerie? Les gens comprendront. Mmh. Je vais y arriver, mais je commence par d'abord des réactions. Mmh. Comment a-t-il su? Il ne m'a jamais contacté. Mais plutôt, c'est lui qui m'a contacté pour compatir avec moi. C'est le président Moïse, depuis la France, dont je remercie. Depuis la France, à 8h51, et j'ai parlé avec lui 12 minutes. Il a mis à ma disposition des journalistes, des avocats, pour me défendre. Voilà la grandeur d'un homme. Moswahili bana konesha landa kufa. Notre président, depuis la France, et pour montrer la grandeur, il y a des gens qui sont incontournables. Et des gens, des fois, dont vous ne pouvez même pas vous intéresser. Quelle que soit sa personnalité, quand vous les voyez, vous dites, c'est rien là. Il a si. Pour vous dire tout simplement que Moswahili Banasema Piri Piri, il est à Okukuria. Itakuwasha, Djee. Voilà. Des fois, on parvient à s'acquiser. Est-ce que depuis que il mambo yangu, mini rikuwa na yo, mimo atuna jichungi ayo. Ucha kushikia mtu mwingine anasema. Kuba politicien. Kuba politicien tu yote alikasia o Kinshasa. Ucha kushikia mtu. Ça, ça, ouais, piri, piri, il est au courrier. Et vous voyez, on s'acquise des fois par certaines actions. Ici, il vient de montrer alors publiquement qu'il serait alors auteur de ça. Parce que lui connaît même les motifs pour lesquels j'ai été poursuivi. Pendant qu'il s'intéresse des grands gabarits de Tchani, alors que Tchani continue à parler, mais lui n'a jamais dit Tchani. Mais il vous dit qu'il s'intéresse de Tchani. Il vous dit, je m'intéresse de Mabound. Mabound a fait quoi? Elle m'a dit à Mabound au Parlement. Au lieu de se mettre à l'Ikasi, on est à Mabound au Parlement. Maintenant, Mabound n'est plus là. Il est député comme lui. Mmh. Enfin, on pira Mapi. Trop bas. Et c'est un débat qui me fait des qui me fait même des chairs de poule. Une grande personnalité comme lui. Je m'intéresse des problèmes de Kassi, Kambov, au gouvernorat là-bas, des péages, des routes. Il peut nous dire un kilomètre qu'on a déjà construit ici à Kassi ou à Kambov, même un mètre, 4 ans qu'il est là. Ou un seul problème qui a été résolu à cause de lui pendant qu'il est là. On va dire que c'est ma cagne. Après, c'est ma cagne. Mais moi, c'est fait, j'ai organisé des marches ici, à l'Ikasi. Contre les embouteillages, contre le délabrement des routes poussières, contre Malonda. Tu peux nous dire une seule marche, même quand il était avant ou pendant qu'il est député, qu'il a déjà organisé ici. Nous avons risqué nos vies. D'ailleurs, avec vous. Non, moi, j'étais arrêté. Quand j'étais en prison là. Qui peut dire qu'il a été président d'ensemble pour le changement et il passait à la télévision comme indépendant. Lui là, un chapitre après, se met à Dieu à Gatoumbi. Population en faute. Une seule fois, il est yéyé, un chapitre pour défendre Gatoumbi. C'est nous qui avons risqué avec vous. Nous avons été interpellés à l'année. On nous a pris des vidéos, on vous montre, vous êtes là. Vous n'allez pas nous échapper. Avec vous. Vous avez été interpellé vous-même. Je vous ai assisté, moi. Que ce soit au parquet, que ce soit à l'ENA, à cause des émissions qu'on organisait.
Je ne pouvais pas dormir chez moi. Moi, je dormais des fois en dessous des véhicules. Je pouvais recevoir des appels tout à coup à les 31. Nous, et vous connaissez très bien. Qui a milité pour Katumbi? Qui? Et, non, mais, et moi, je pouvais chercher... Wapi koko kiriyo. Minenda koko kiriyo, le michi yu, atamuntu yu. Bouchi koutu ipiti. Dieu m'a menace. Mais ouais, ben, vous fongez quand même, ma arme, quand même, ma nini. Vous voyez, on est Katumbi. Quel Katumbi dont vous parlez? Il y a des gens qui croyaient que Katumbi leur appartenait. Moumi Foukouyab. Et qui pouvaient tromper le président Moïse. Comme quoi ils avaient des gens. Alors que derrière eux, il n'y avait rien. Mais ils trouvent des gens qui ne commandent pas chez Katumbi. Je vous ai toujours dit ici. Moi, je ne suis jamais parti chez le président Moïse, Namonechao, Makuta, jamais. Nashiapataka, un dollar à président Moïse. Je l'ai dit, non? Que quelqu'un vienne me dire ici le contraire. C'est avec mes maigres moyens que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et le président Katumbi est informé jour et nuit de ce que nous faisons. Ah oui. Alors, le président Moïse n'a pas le temps et la distraction. Quand vous travaillez, c'est lui-même qui vous appelle. Moi, je n'ai jamais cherché le numéro du président. C'est lui-même, étonné. Oui, Abar. Hein? Alors, ça fait mal à certaines personnes. Ils se disent, on est chat. On est chat. Mais Maître Séphin, est-ce que vous confirmez ces allégations selon lesquelles vous avez été interpellé pour escroquerie et non pour des faits politiques? Je vous dis ceci. Je vous ai dit, je vais vous répondre à la question. Je commence par réagir. Vous voyez tout un papier. C'est une émission d'1h30. Et je dois répondre à tous les points pour que la population comprenne ce que je suis en train de parler. Je vous dis non. Mais c'est fait mon adjoint. Quel problème que je peux avoir avec lui? Je dois dire ici à la population. On nomme le coordonnateur provincial, ensemble pour la République, au niveau national. Et quand on les nomme, selon ma statue et tout, il n'y a pas de nomination, mais plutôt il y a des votes qui doivent se passer. Que ce soit au niveau du coordonnateur provincial, que ce soit au niveau de la fédéraux. Parce que pas qu'à mon statut moulé, on dit en entendant ma élection, le président national et le secrétaire général mettent en place les structures du parti. Les coordonnateurs provinciaux sont nommés par le président national et les autres structures sont nommées par le secrétaire général. On nomme les coordonnateurs provinciaux. Coordonnateur provincial et toi, Abraham, en a procédé pour ma nomination à Nini et à ma fédéraux. Nous étions la seule province où coordonnateur à l'Inomaka, ma fédéraux et l'air adjoint. Le secrétaire général fait une note circulaire pour demander à tous les coordonnateurs de lui proposer des noms pour nomination des fédéraux et leurs adjoints. Et déjà, ça met en cause les nominations qu'avaient procédé les coordonnateurs. Et lorsqu'il nous a nommés, les partis souches, il a composé ensemble. Et quand il a dit, dans ce machin, il a toujours eu ma nomination, il a quoi. Honorable Kiler a tout dirigé chez Pachka Ikala qui m'a l'ikasi. J'ai la lettre de contestation de la décision. Voilà pourquoi, lorsque le coordonnateur Abraham Alinomaka a installé comme fédération Yot, mon Okatanga, mais à Kukuyaka l'ikasi, à
Kasema Lika, s'il y a un problème, il faut d'abord régler quoi? Ces problèmes. Oui. Parce que ensemble, ni parti à ça, ça. Il est co-composé, Léo, à une antenne à 7 parties, on peut être même à 10 parties souches. Entre autres, MS, PND, ARC, CRDD, PDC, quoi encore, le parti de quoi, de Christophe Lutundu là. J'ai oublié un peu. Et le septième parti politique, j'ai perdu des vies. Donc ce sont les sept qui ont commencé. Et lorsqu'on a débité, c'est moi. Donc, et tous les partis souches d'Elikasi que nous sommes réunis sous la direction du coordonnateur adjoint aujourd'hui Papin Kyungu et de Mouloutchila qui était de PND et Papin qui était de MS au niveau de Saint-Thérèse. On pose la question à tous les sept partis souches présents. Nani ou de Mounapenda a dirigé au Moulikasi, mon cadre et abrassage à ma partie. Tout le monde, sans exception aucune, ce que je vous dis, il y a des témoins, j'ai des audios, j'ai des photos, ils ont opté pour nous. Et nous avons débité les brassages. On a dit quoi à l'issue de cette réunion? Mon bébé, ma secrétaire, il y a ma partie yoti. Je Koutoumika, Dieu a pour brasser. C'est-à-dire que la partie il est effectif, il y a ma membre. Et nous allons utiliser des sièges. Siège à Pende, na siège à MS. Siège à Pende, Kokonyumba est honorable Killer. Aïna siège, ni boutique. C'est construit comme ça, comme une boutique. C'est chez lui, à la maison. Chez moi aussi, il y a quelque chose de forme bureau, ce qui constitue les sièges. On a dit travailler pour le brassage. Et nous avons commencé à évoluer. On a fait les brassages et on a fait adhérer plusieurs. Pendant que nous faisions la campagne d'adhésion, il y a des membres qui appelaient l'honorable Killer depuis Kinshasa. Honorable, ici, Bikon a fait adhérer à tout, moi ensemble. Tout Fang et Dieu. Ces gens-là existent, je les connais parce qu'ils m'appelaient. L'honorable Killer leur répond ceci. Ni ma distraction. Ensemble pour la République, ni qui projet a existé. Il n'a existé. Ni ensemble pour le changement, il est mini co-président. Na président, au niveau provincial, ni Kyungu, na vice-wake, ni KTB, l'actuel président, ni l'Assemblée provinciale. J'ai parlé avec lui au téléphone. J'ai des éléments dans mon téléphone ici. Il a réitéré la même chose. Il m'a dit ceci. Maître moi, tu dis les mots qu'on a parler. Ensemble pour la République a existé. Je suis comme ensemble pour le changement. Parce que si vous continuez avec ce que vous faites là, vous allez tout faire perdre mandat et tout au Parlement. Vous savez, c'est ce que je vous dis à un moment, mon tout. Bon, attaquez-moi tout le monde pour choisir ma députée. Tu en gardes à Kiko. Nani se maka pa ke ataka mo ba député ba na pita parce que ni droit ki la mutu ataka mo maka mashamba ataka mo ko nani parce que ni bantu kama ba na pita ba bafanye ko ata formation ba yo role ile ba nende aka kule ku parlement. Ah oui, je lui ai dit, honorable, nous nous sommes un jeune parti politique qui vient de naître. Vous, là, quand vous dites que vous êtes ensemble pour le changement, on a député ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement, une plateforme électorale, une attaque à personnalité juridique, une candidat à Ouyou. Ensemble pour le changement est composé des regroupements politiques, entre autres MS,
AMK dont lui était lié. Il n'est pas candidat, il n'a député au PND, ni au AMK. Vous voyez un peu, quand on ne connaît même pas l'origine ou les regroupements politiques dans lesquels vous avez été lié, ça pose problème. Il y a aussi AR, Alternance pour la République. Il y a aussi G7. Dieu n'a formé ensemble pour l'échange. Non! Discussion. J'ai dit, papa, laissez ça. Nous, nous continuons. Et nous avons continué. C'est lui qui fait des ensembles. Même quand les gens entendent qu'ensemble existe Alikassi, c'est peut-être ma petite personne ou personnalité. Par moment, nous faisions des réunions chez lui. Là. Vous pouvez imaginer, vous êtes en pleine réunion, on vous enregistre. Et puis on met dans les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Je trouve bon. Ça, c'est quel genre de politique, ça? Il y a les gens qui viennent apprendre la politique. Au point, on pouvait nous arrêter pour dire, vous ne pouvez pas faire la réunion ici chez nous. L'espace est déjà loué. Et puis, il vous dit qu'il y a siège de peine chez vous à la maison. Oui, il y a des spectacles où vous faites louer. Il y a même un bar et tout ça. Et vous dites, c'est ensemble. Papa, même si on n'a rien. On peut préférer même venir sur la route que d'être dans un bar ou un lieu comme celui-là. Et nous avons milité. Ici, moi je ne suis pas son adjoint. Je suis président provisoire, ad intérim, en attendant les nominations qui seront faites par le secrétaire général. Il les connaît. Et on lui a déjà dit qu'il ne sera pas fédéral. Comme ça. Et même une réunion convoquée ici à Kinshasa avec les cadres, au cadre du parti, au niveau de la perle, le secrétaire général a dit, je nommerai pas un député comme fédéral. Parce que nos statuts disent, quand vous êtes député, d'office, vous êtes secrétaire général et secrétaire national du parti. Ce sont les statuts. Et nous, pas politique. Et si... Ah, monte. C'est de la matière. Est-ce que Ensemble pour la République, qui n'a que 2 ans de vie, a déjà des poids politiques? Ensemble à des députés. Que vient faire ici les députés? On a été élus et il n'y a pas MS. Est-ce que nous avons encore MS, PND ou quoi que ce soit d'ensemble? Tous ces partis se sont déjà effondrés au détriment d'un seul parti politique qui se nomme Ensemble pour la République. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre ça. Ça saute aux yeux. Ces partis n'existent plus. Même Inadef, j'ai oublié de citer l'effet Mandopé à son âme. Ces partis n'existent plus au détriment des ensembles. Que vient faire le poids politique? Que vient faire le poids politique? Et partout là où on a nommé, il y avait le problème du poids politique. Même pas. C'est le problème des gens qui vont animer les partis. Et moi, je dis toujours, les hommes passent, les institutions restent. Demandez à tous les cadres et aux cadres du parti. J'ai dit dans une réunion, moi, je ne serai pas président. Je voudrais qu'ici, nous puissions choisir quelqu'un qui va diriger Ensemble. Et nous allons tous le soutenir. Tout le monde a refusé. Ils ont dit non. Nous, c'est vous rien. Et tu sais que moi, je ne me cafouille même pas à ces postes. Moi, je vous dis, je n'ai rien à gagner, mais moi, mon souci, c'est de faire élire Moïse Katumbi en 2020. C'est l'unique. Parce que Likassi, c'est son fief. Et il doit faire 100% des voix à cause de moi. C'est seulement ça. Parce que nous ne vivons pas seulement de la politique. Combien de fois on m'a demandé pour qu'on me nomme à Kinshasa? Combien de fois? Je ne peux pas tout révéler ici aux médias. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Maintenant que nous avons évolué dans cette situation,
Il y a dans cette confusion ces amateurs, les gens qui le croient dans ce qu'il fait, groupuscule d'ailleurs, parce que moi je dirige tous les 7 partis souches. Lui, il peut me dire un seul parti qui est avec lui quand il tient des réunions là. Un seul. J'ai PND, j'ai UNADEF, j'ai MS, j'ai CDP, j'ai ALC, j'ai CRDD, tous nous nous réunissons. Avec tous. Et nous avons beaucoup de cadres. Nous avons acheté une machine pour produire des cartes ici. C'est trop cher, à 1 500 $. Et machine, tout ça, ça sera ici, d'ici la semaine prochaine. Maintenant, face à ce bicéphalisme, le président Vano Kiboko, d'ailleurs les images étaient passées ici quand il est arrivé. Oui. Il a dit, bon, comme ça, je dois descendre là chez vous. Il m'appelle. Il me dit non harmonisé avec qui il est. Je l'appelle. Il avait refusé que le président Vano arrive ici. Qu'il ne vienne pas. Il y a des troubles, on n'a pas encore des solutions. Je ne dis pas question, nous avons des gens, ils doivent venir. Si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas prêt, ok. Il dit oui, oui, organisez-moi, je ne suis pas. À la veille, il est arrivé. Il a fait la manifestation chez lui à la maison. Nous, nous avons fait notre manifestation dans la salle de la paix. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu les gens? Vous savez, il y a certaines choses qu'on ne force pas. Et après cette manifestation, le président Vano est allé à Kinshasa. Je suis obligé d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent certaines choses. Je ne l'ai jamais dit parce que... Pour quel intérêt? Parce que c'est un problème interne. Interne, oui. Qu'on ne peut pas exposer en public. Nous sommes allés au niveau des carrefours là-bas, cercle... SNTC. Non. Et chez Camille. Oui, on est juste au niveau de Carrefour, là, en face du bureau là de Saint-Pierre. De 15h à minuit, avec l'honorable Vano Kiboko, moi, lui l'honorable Killer, l'honorable Yaf, que je lui prends en témoin, et le président Vano. Le président Vano a dit ceci. Allons dans l'hypothèse des comités provisoires que vous êtes. En entendant ma nomination à secrétaire général, vous êtes président, l'honorable Killer. C'est fin et votre adjoint. À votre absence, qui dirige le parti? C'est votre adjoint, non? Maintenant, comment Oko Kinshasa a dirigé le parti ici, alors que votre adjoint est là? Il vous a dit ici, il tient des réunions, tout ça. Sur base de quel principe? Visioconférence. Ça se passe où? Et vous allez tenir une réunion. Et c'est ça la réunion. Non. Il lui dit également que laissez se faire. Faire le travail. Quand tu dis, parce qu'on m'avait accusé, moi, de débaucher ma base et acquis. Toi, commencez par là. Lui connaît ma base en goût, il connaît débauché et tout ça. Moi je dis, si on dit encore je vais débaucher des bases, Dieu n'y pelle que Wapi. Alors que nous tous nous sommes moi, ensemble pour la République. Na ni base gagne. Je ne compte plus de centaines de bases. Quelle base qu'il y a? Même manifestation, je suis un peu. Base gagne. Et l'honorable Vano m'a dit, c'est fait, hein, pas beaucoup de problèmes et à jalousie. Qu'il est à peine de vous prendre dans la cacouche. Vous l'avez tout mis à la naï. Naï, on a vu la ville où on a cacouche, où on a débauché ma base. Il faut savoir le coin à Bibiaco. Où est-ce que je suis en Katala? Qui est-ce que je suis en Rafikiaco? Où est-ce que je suis en jalousie? Moi, je suis en train de me faire une élection. Et moi, voilà! Ça montre quoi? Ça montre quoi? Donc, n'y pouvez-vous de ce que nous faisons? Et le président va nous voir loin. Il dit à l'honorable Killer, Beba Bibia, Kwabaki, Kukuizine, Ashingiri, mon politique,
Beba Clay a prétendu biro ya pour me remettre ses fins. Na utuandiki officiellement que il est fâché on est acha pour les partis. Et personne ne peut y accéder sans l'autorisation ya nini ya ses fins. Beba Clay. Tout est en tampati ya jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et qui entretient la confusion? C'est lui. Et tout ça, c'est la perte de vitesse. Parce qu'on sait que 2023 arrive. Mamalanda rombeba koma kobanga. Tokomina soukase. Merci beaucoup. Bilan du travail. Oui. C'est comme ça. Ils attendent. La population attend les bilans. Et les bilans là, papa. Ce n'est pas facile. Combien de vacances parlementaires qu'il y a eu? À peu près 3 ans. Mon amour, n'a qu'à quoi? Nous avons continué à travailler. Maintenant, on vient vous dire, seul Jacky Ndala a été arrêté. Actuellement, là, oui. Pour des faits politiques. J'ai dit, on a nommé quelqu'un au parti pour savoir où il faut arrêter pour faire politique et pour cadrer ensemble. Vous voyez que, il y a certaines choses dont, quand on est responsable, il faut éviter de parler. J'ai de la considération pour notre camarade Jacky, un grand combattant, tout ça. Mais pas de ce qu'il peut dire là. Pas ça. Pas jusqu'à ce niveau, quand même. Et non, Honoré, comment voulez-vous que quelqu'un qui voyage sur le territoire national ait le passeport alors que la DGM ne demande pas le passeport? Mais c'est Moutou. Si la caméra pouvait même avancer, ça, c'est quoi? Tenant lié des passeports. Ça, c'est quoi? C'est la DGM, non? Oui. Tenant lieu des passeports. Non, c'est fou. Poste nom, Ramazan Issefin. Nationalité RD congolaise. Numéro, document, OP 093-8206. Motif, vérification. Fait à Kinshasa le 9 octobre 2022. Nom et signature du préposé de l'immigration. Courtoisie, fermeté. On est été, bien évidemment, donc c'est peut-être l'essentiel de ces documents de la DGM. Exactement. Ça, c'est la DGM. Les tenants liés des passeports. Quand on m'a saisi, et on vous dit le motif, vérification. C'est le motif pour lequel moi, on m'a débarqué de l'avion. Vérification. Est-ce que ça, c'est un PV de la DGM ou non? Vous savez, quand on est même, on n'est pas en mesure de différencier la carte d'électeur et l'identité, ou quoi, une pièce d'identité, ça pose problème. La carte d'électeur, je dois définir ça. Peut-être l'émission peut parvenir à qui des droits pour qu'on sache. Carte d'électeur, en d'autres termes, ni carte de vote. Il en a permettre Moutou Kwenda ou voter. Ah oui, non, n'est-ce pas que où qu'on a eu les qualités, il y a Kwenda ou voter. C'est ce qu'on appelle carte d'électeur. Il y a ce qu'on appelle la pièce d'identité. La pièce d'identité, c'est ce qu'on appelle quoi, identité nationale d'un citoyen. Ou document officiel d'identification nationale qui sert à identifier Moutou que Ouyou iko originaire ou à pays Fulano. Maintenant, entre carte d'électeur et passeport, quelle est la vraie pièce d'identité d'un individu? C'est la carte d'électeur? Non, c'est le passeport, non? Parce que c'est ça même la pièce d'identité. Si vous permettez, on rappelle aux téléspectateurs, ne nous appelez pas encore s'il vous plaît.
envoyez vos SMS via les 099 389 33 24. 099 389 33 24. 081 008 16 14. 081 008 16 14 sont là les deux numéros de contact qui nous accompagnent. Pour vous qui nous suivez du côté de la radio, prière de nous envoyer vos SMS via ces deux numéros de contact. Donc, je me répète, les 099 389 33 24. 099 389 33 24. 081 008 16 14. Ne nous appelez pas encore, vous aurez votre temps de parole. On va vous donner la chance d'appeler et d'interagir dans ces magazines, s'il vous plaît, les moments opportuns. Allez-y. Oui, et puis, passeport. Vous savez que il arrive des fois, tout en tout cas dans mon pays. Kinshasa. Et je peux vous montrer, je ne sais pas si Dieu m'a aidé. Vous voyez quartier. Est-ce qu'une carte originale, carte de lecteur, ni duplicata, ne cherche qu'à protéger déjà une carte de lecteur. Ce qui fait qu'il arrive des fois, on a fait qu'à un aéroport, une pas comme mon pays et tout. Ben, on ne connaît pas question, l'être original. Comme on original, ben, on connaît, il faut l'être attestation de perte des pièces. Des fois, pour éviter ma débat, nous prenons les deux pièces. Au lieu à connaître, on connaît déjà un passeport. Ça met fin, je passe. On t'identifie. Et il peut arriver soit parce que passeport ni pièce d'identité. Je suis à Kinshasa. On me dit tu dois aller à l'étranger. Il faut nous trouver Kinshasa. Je n'ai qu'un passeport Moulikasi. Ça a quel sens? Alors que carte d'identité, pièce d'identité, comme ça, carte d'électeur, comme ça, téléphone, qu'il faut porter partout où vous êtes. Et j'ai des gens d'ici à Likasi, je prends l'inspecteur Enoch de mine témoin, qui a vu quand toute cette situation est arrivée, même quand on m'a pris les passeports. Maintenant, quand vous trouvez quelqu'un qui vous nie déjà, de vous, que Abakoukoube n'a pas passeport, comment il tenait un passeport au Congo, ça montre que ça ne peut même pas provenir d'un législateur qui connaît la différence entre carte d'électeur et pièce d'identité. C'est que c'est de l'ignorance, tout simplement. Et ça montre de l'acharnement, ou soit on se reproche de ce qu'on a fait. Donc moi, je n'ai jamais cité quelqu'un. Et dit non, je vais interpeller le ministre de la justice, pour que les magistrats là répondent. Pendant que j'avais des problèmes, tu ne m'appelles pas moi. Pendant que tu es avocat, on est quoi avocat à population, on a été sur Moulikasi, ou c'est maintenant mis à interpeller ministre de la justice. Intéressez-vous dans ma problème et à population. Moi, j'ai distraction. Et puis, si c'est moi, j'ai toujours loué l'honnêteté de l'ancien député qui, honorable Danny Bans. C'est ça les hommes politiques. Que ces pays a besoin. Lorsqu'il passe dans votre chaîne, d'être cité dans votre chaîne, oui, pour dire Turisha Kobishinda, population à l'Ikasina, mais l'on va me voter au Benguine. Il faut avoir ce courage-là pour dire tout simplement que Tunabishinda, me voter au Benguine, au lieu d'embrayer la quiétude qui règne dans la ville et parler d'un petit monsieur comme ce fin. Vous vous parlez des grands gabarits, mais vous passez toute 1h30. Mais il s'avère que même les gens qui sont venus vous accueillir, ces mondes fous qui étaient là pour vous accueillir, il y a certains, vous auriez dit à certains que c'est, ils viennent pour accueillir l'honorable Killer, mais après, ils se retrouvent que c'est Maître Stéphane qui est là. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il a déjà été accueilli comme ça ici à l'Ikasi? Ou une seule fois? Non, il y a des gens qui lui ont dit, on nous a dit seulement que on vient vous accueillir. Mon tour. D'abord, pour venir l'accueillir, c'est qu'il est déjà venu une seule fois comme ça. Moi, combien de fois j'ai fait des manifestations, des pompes, des gens? Est-ce que ça pouvait même m'estomaquer? Et la population qu'il y avait là? Je félicite d'ailleurs tous mes collaborateurs qui ont abattu un travail de titan. C'était dans un jour.
Moi, je ne voulais même pas venir comme ça. Ça, je vous l'ai dit et je le jure devant mon Dieu. Ce sont mes collaborateurs qui m'ont dit non, nous devons vous accueillir. Un jour avant, bon, je dis, je ne pouvais pas non plus aussi les empêcher à le faire. Et si, parce qu'on vous a laissé entendre, non, les gens ont fait des foules mais n'ont jamais été votés à l'UQAS, c'est la paix. Comment tu peux arriver à parler même de la foule? Au lieu de s'arrêter parce qu'on est ma distraction, ma escroquerie, on a fait qu'on a foulé le monde à l'UQAS. Foule, foule n'a pas qu'à ta nine. Mais mon tout ce que moi je vous dis, s'il faut que moi je remplisse les stades qui coulent à Athénée, je vais le faire. J'avais déjà demandé l'autorisation au maire une fois. C'est la hiérarchie qui m'avait juste empêché. Donc, nous ne faisons pas la politique du à quoi impressionner mon tout. Nous le faisons en âme et conscience et par conviction. Et je sais, Dieu, que nous prions. S'il dit que non, c'est fin, vous ne serez pas député. Je ne le serai pas. Et je ne cesserai jamais de servir la population. Pas je le sais. Est-ce que je suis député? Toutes les réalisations que moi j'ai fait ici à l'UQASI. Moi, j'encadre combien de gens? Je paye combien de gens le mois? Dis-moi un seul député qui a déjà fait ça. Vous prenez la vie, c'est seulement la politique. Il y a d'autres qui ont vocation, non pas seulement pour la politique. Ils font la politique pour le bien-être de la population. Harry Thomas Lokondo, paix à son âme. Deli Sesanga, ce sont des députés qui travaillent pour le peuple. Et non des députés qui se laissent corrompre. Milom Javouaïdji. Kouba Kata Milom Bakata Milom. Nous allons dans 32 000 jutis avec des situés ministres. Bah, nous pas 6 000 à Yéné. Combien de députés ont trahi le président Moïse? On ne va pas citer des gens ici. Il y a des gens qui ne sont même plus sur la liste du président Moïse. Ils l'ont trahi. Il n'y a pas. D'autres, quand vous les voyez, c'est la pourriture. C'est que vous l'avez dit. Donc, il y a qui l'ont tout à la carte. C'est que la carte est dans la main. Alors, on ne peut pas entrer en profondeur de certaines questions. Pour vous dire tout simplement, la population qui est là est venue témoigner de sa compassion et sa sympathie envers nous. Est-ce que la population était là de 9h jusqu'à 21h. De 9h jusqu'à... Sans argent, moi je n'ai pas d'argent à donner à tous ces gens. Parce qu'ils savent que non. Il y a quand même des gens qu'il faut soutenir. Et je les aime tous. De tout ce que vous avez fait pour nous, que Dieu vous bénisse. Et ça montre. Vous savez, toute autorité ne vient pas des gens. Ça vient des fois de Dieu. Vous pouvez combattre cette autorité lorsque Dieu a dit que non, celui-là et mon choix. Vous ne pouvez pas le combattre. Des fois, vous combattez vous-même. C'est fait à 1000 voix. Aux élections, je l'encourage. Papa, bon, je les remercie pour ça. Nous avons le PV. Et vous en connaissez quelque chose. Nous avons des PV de vote. Moi, je me dis un jour que je puisse d'abord mettre ne fût-ce que 30 PV de bureau de vote, que les gens regardent, j'étais où? Moi, c'était Kaboula, moi, si pas moi, c'était lui qui l'air. Soit moi, Kaboul, ainsi de suite, que ce soit au niveau national, tout comme au niveau provincial. Il faut encore revenir sur ce débat déjà dépassé pendant que mandat est né. Mandat est né, on ne peut plus parler de ça. Kadi Marisema coûte à quoi nomination? Et nous voulons vraiment que cela soit ainsi. Comme ça, population, il sait, mais oui, tel nous l'avons voté, tel nous l'avons pas voté. Kamabito Ayendeka Mokini. Ce sont les nominations qui se sont passées. Parce que la population a été accompagnée jamais pour ma action et nous. Parce que la population a eu à tout mi votaka. Quand ma population n'a coupé, la population est une de ta femme à case et pour placer à l'État. C'est comme ça que ça se passe et nous l'avons vécu avec Mosé. Où les choses s'organisaient de soi, les gens, la population, ils croient à me soutenir parce que la population est une peine. On vous dit non, voilà. C'était pour les problèmes des scoquilles. C'est là que
Et les mots qui ne m'ont pas plu, quand l'honorable parle à son niveau, tous ces bantous-là, passés comme des indépendants dans des médias, nous sommes des bantous-là. Ce n'est pas à son niveau. Il y a certains propos quand on est responsable qu'il faut. Et puis vous dites, je vais les voir, on va arranger un petit peu. Arranger avec qui? Pendant que vous-même vous dites qu'il n'y a pas de problème avec moi, vous passez là, aux médias, vous êtes en train de parler de propos diffamatoires contre moi, vous dites, je vais arriver, un petit problème arrangé, je n'ai pas de problème avec lui. Quel problème? Donc, Maître Séfin confirme à la population d'Elikassi qu'il y a un conflit entre lui et l'honorable Kider. Je vous dis ceci, je lui avais déjà dit. Quand il m'appelle, des fois on peut parler même 50 minutes. Et lorsque le coordonnateur Abraham nous avait nommé, il m'a appelé chez lui à la maison. J'avais pris mes collaborateurs pour aller les voir. Il avait refusé pour qu'on parle à D. J'ai été tête à tête avec lui pendant 1h30 ou 2h. Je lui avais dit comme ça, « Mishta Tumika Kanawai, ça détrompez-vous. Umumulikasi, ensemble, kama nimbiri takuako. » Vous lui reprochez de quoi? Il m'avait appelé quand on tenait des réunions chez lui. Il m'a dit, maître, bilogo na fanya, mutu moi à ta koufou. J'ai lu. Vrai de Dieu. Je peux avoir même les enregistrements. Ah! Mutu moi à ta koufou. Moi, je lui pose la question. Honorable, nani à ta koufou. Non, je disais pour dire, je n'en ai pas de badef. Je veux qu'on a koufa. Je n'en ai pas de fanny kakakou. Stade des martyrs, des musulmans, des camps. Je ne sais pas si on a koufa. Je dis, on n'est pas dans ce contexte. Donc, l'honorable Killer vous a proféré une menace de mort. Il m'a dit. Et je lui ai dit à Lubumbashi quand on était avec le président Vano Kiboko. Il est là. Oh là. Il va suivre. Et il a nié, mais je lui ai dit, vous me l'avez fait. Je peux avoir des audios. Comment vous pouvez travailler avec quelqu'un comme ça? Et je lui ai dit, pour mettre fin au problème de l'Ikassi, j'ai dit même à la hiérarchie de Lubumbashi, l'Ikassi est divisé en deux fédérations. Il y a quatre communes. Prenez deux communes, moi je prends aussi deux communes. Comme ça, membre autico libre, Wakwenda qui est fédération n'a pas anine, il a mon fraîche. C'est la solution qui mettrait fin. Si vous ne voulez pas ça, allons aux élections. Comme vous l'avez posé, c'est comme si vous étiez avec moi alors que moi je n'ai jamais échangé avec vous. Allons aux élections. Bah membre, bah voter. Oulatakouanine, président. Et moi si j'échoue, je vais accepter sportivement et je vais accompagner le fédéral qui sera élu. Il a dit quoi? Il n'y aura pas d'élection. Vous avez déjà corrompu. Les gens, messieurs Moutou, mais moi, m'écoute, on va rompre, on va tuer de Moulikassi, mais ensemble pour la République. C'est la paix. Vous-même, vous dites que j'ai été déjà élu. C'est que l'élection, il y a pour député, on est là pour parti. Hein? C'est qu'il est ma voix, il est en député et en députation. C'est bon, moi, il y a que tout le monde pour parti, coule, l'ami n'est chaque fois déjà président. Ça, c'est pas sûr. Je crois qu'il y a un parti, il y a ça. Il y a ma vote en 2018. Vous êtes élu par tout le monde. Ici, c'est les partis. Et ce sont les membres qui vont faire le choix. Et à Moutoula Tafanine, à Taba diriger. Il n'a jamais voulu. Il n'y aura pas d'élection. L'Ikassi, c'est. Il y a même des discours tribaux. Mais Damionne, chacun m'a mis Niko, Moutoto Akulikassi. Batu kama bana toka wapi, kama biko na mafamazera, kama ni manini, bakuye tu bacheze Mulikasi. Mita mionesha, ile shiku hile batapima kunome Sefe Ramazani, mita mionesha ke Likasi ni kwetu. Il y a encore de la politique là-bas. Nous ne sommes pas dans un parti tribalisé. Moïse a besoin de tout le monde. Et l'ensemble pour la République est partout. Confirmez-vous par les actions. Travaillez tout simplement pour convaincre la personne du président pour qu'il fasse les choix sur vous. C'est quoi les critériums établis pour être président au niveau d'ensemble? Il suffit d'être membre du parti et avoir les ambitions.
pour diriger les partis. Il n'y a, pas un critérium qui dit qu'il faut appartenir à un parti qui a le plus grand nombre de députés. C'est pour ce... Bon. Ensemble n'est pas un regroupement politique. Vous croyez qu'Ensemble est composé de partis? Je suis étonné quand on vous dit ici PND. Ensemble, c'est un parti politique. Ici, de cette formation politique, qui veut dire tout simplement qu'Ensemble, comme il est là, a 2 ans, et Ensemble n'a jamais eu de député, n'a jamais compétu aux élections. Que vient faire ce débat? Mais maître Sefin, aujourd'hui, il y a la population de la montagneuse Vidil-Kassi. Juste à l'annonce, bien évidemment, de ces magazines qu'on devait avoir avec vous, il y a certains qui se posent mille et une questions de savoir comment expliquer que maître Sefer Ramazani Sefou, Congolais des pères et des mères, reconnu au niveau de la République démocratique du Congo, puisse avoir besoin de brandir son passeport devant les agents de la DGM. Parce que les agents de la DGM demandent un passeport à un homme originaire, à un Congolais qui n'est pas des pères et des mères. S'ils ont demandé un passeport à maître Sefer Ramazani Sefou, c'est qu'on remet en cause la nationalité de maître Sefin. Même pas. On ne m'a jamais demandé le passeport. C'est vous qui avez déposé. Le passeport, c'est ma pièce d'identité. Mmh. Et j'ai donné volontiers. Je vous ai parlé de ma carte ici, qui est juste quoi? Une photocopie. Mmh. Et lorsque nous voyageons, celui qui voyage ne peut pas me contredire. Mmh. La DGM refuse des copies, exige l'original. Si vous n'en avez pas, il faut brandir l'attestation de perte des pièces. Mmh. Et nous voyageons avec le tout. Je suis libre. Parfois, je monte ça à certains aéroports. Tu passes. Mmh. Ou tu peux peut-être donner quelque chose de 1000 pour long. Et parfois, vous montrez les passeports. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Parce que c'était aussi votre question. Il fallait éclairer la lanterne de la population. J'ai programmé les voyages, pas souvent. Vous savez, on ne veut plus voyager que les gens ne sachent. Mmh. Parce que vous ne connaissez pas celui qui peut vous tendre un piège. Oui. Le jour que je devais rentrer, j'ai payé les billets parce que tout est là. Mmh. J'arrive à l'aéroport, le checking, on a terminé tout. Maintenant, il fallait passer vers la salle d'attente. J'ai présenté les passeports. Ok, ok. Je suis allé dans la salle d'attente. Le vol était déjà là. Lorsqu'on veut embarquer, on m'appelle. Et le bagage était déjà à bord de l'avion. On dit non. Est-ce qu'on peut voir, il y a juste une erreur, vous voyagez. Est-ce qu'on peut juste voir votre pièce pour ajouter certains éléments? Barabé va billet, Barabé va la passeport. Ils introduisent, ça fait que. C'est quoi? Patientez, on arrive, la machine a bloqué. Il faut qu'on vienne débloquer. Je suis là, débloqué. Jusqu'à ce que vole la fan, une aide. Il n'a pas tonné. Il vole une aide, pourquoi vous pouvez me prendre du temps? La dame qui m'a enregistré là, en Akuya, en Anita, mon bureau. Baranitoshia, il dokimaï, il n'a liré à pas. Baranionne, chacun nous voilà, passe demain à 8h, qu'au direction générale. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Chia, tout n'a pouvoir, pas de motif. Bébaï, papier, ouen de 8h, wapi, qu'au bureau, et tout n'a pas de pas motif. J'ai dit, mais vous devez me donner, vous ne pouvez pas m'empêcher à voyager sans me donner les motifs. Messieurs, on ne vous donnera pas les motifs. Nous, on nous a juste dit de vous empêcher à quitter Kinshasa. C'est tout simplement ça. J'étais obligé de rentrer à l'hôtel. C'était un dimanche. Lundi à 8h, j'étais à la DGM. De 8h jusqu'à 23h. Tout celui qui peut voir les tenaliers des passeports, oui. Lorsqu'il regardait les motifs, vérification, il me disait qu'on a un problème politique, gagne. Moi, je dis, je n'ai aucun problème. Non, dites-le nous. Soit Koulé, Koulikasi, soit au Kinshasa. Parce qu'il motif, il y a vérification. Si les problèmes étaient à notre niveau, si les passeports avaient des problèmes, on allait écrire. Irrégularité. C'est pour que mon niveau y ait tout, tout y ait comment pour régulariser.
comme il y a vérification, c'est qu'il doit y avoir un dossier politique contre vous. Mmh. J'ai dit, bon, je voulais bien être informé. Mmh. Non, voilà, DG a te recevoir. Pitakesh, je dis. Oui. Je passe à 10 heures. Jusqu'à 21 heures. Mmh. On me dit, non, voilà, le DG a le coup na rendez-vous dans le médecin Wake, passez demain. 8 heures. Je passe à 8 heures. Et pendant tout ce temps, je ne connais pas. Pourquoi? Mmh. On m'interpelle. Oui. Mmh. Je passe à 8 heures. Non, passez à 15 heures. Je passe à 15 heures. Non, passez demain. J'ai fait 9 jours sans connaître les motifs. Mountou. Mmh. Bon, à un moment, je me disais, qu'est-ce qui arrive? Et là, je n'alerte pas. Mmh. Là, je me disais, si je faisais ça, ça peut me faire encore accumuler d'autres accusations. Je préfère régler à mon niveau. Mais j'avais alerté les partis et les partis avaient déjà disponibilisé des avocats pour moi. Mmh. Maintenant, il a fallu rencontrer. Tu sais, quand tu n'as pas de problème avec quelqu'un, mmh, on peut vous en vouloir, mais Dieu est toujours grand. Mmh. Le monsieur là de la DG me dit, passe demain à 7h30, on va te donner les motifs. Je passe à 7h, j'étais déjà au bureau. Jusqu'à 11h, je ne le vois pas. J'ai dit, bon, je peux aller un peu à côté. J'entre dans un restaurant, je prenais les sucres, mais j'ai parlé au téléphone, tantôt swahili, tantôt français. Un monsieur de courte taille, en veste de couleur verte, entre. Je ne le connaissais pas. Et on ne s'était même pas salué. Mmh. Il parlait avec des gens, il a libéré des gens, et moi je ne faisais que parler. Et lui me dit, bon, je t'attends, tu parles swahili. Ou comme swahili. Non, moi je suis ni comme swahili. Ah, on kimina shikia tout mon swahili. Et on a commencé à parler avec lui. Et quand on parlait, il me dit, non, moi c'est tel. Je ne vais pas citer les noms. Mmh. Et sa qualité. Kusumburia, n'engia mon sujet, les problèmes que j'ai. Mmh. Me dit non, attends, je vous appelle le directeur provincial de la DG. Il appelle. Je t'envoie quelqu'un, il a un problème, veuillez l'aider. Il dit, il peut venir. J'ai pris les taxis jusqu'à la direction provinciale. J'arrive là, je lui présente la situation. Il me fait un petit papier, il me renvoie à la direction générale pour voir un certain Lumbu. J'arrive, mon trou. Je n'ai pas fait 30 minutes. Le monsieur, quand j'ai expliqué, il sort. Dans peu de minutes, il arrive avec un document. Prenez le numéro. Je prends le numéro. Il me dit, va au parquet général de la Gombe. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, c'est là qu'on va vous donner le motif. Je me dis, mon roi. 9 jours à mon yoné, j'ai motif. Vous imaginez? Nous avons accueilli, nous avons une solution qu'on a tout. Mais on est au parquet général. Ça va. Ah, pas ni ma cale. Et quand j'étais là, j'ai dit présenter que Nicotel, rien du tout. Mais dans un bon, il faut quoi souple. Nien de mêlé, au secrétariat, il y a eu un motif. Avant, il fait nini, ni mon magistrat. Mais il y a un secrétaire. Le secrétaire n'a pas de motif. Motif. C'est maintenant, ça, il y a un avis de recherche, c'est qu'on doit vous arrêter. Il dit, ah, ouais, Kimbi, à tout. Ah, ni Kimbi, mais la fagne. Ni. Voilà. Il dit, madame, je suis Kimbi. Quand on a un problème, je préfère rien de happy. Pour prison. Mais tu as un magistrat. Ou dans mon nom, mais tu as un magistrat. C'est ma bureau à qui n'a pas eu à l'être audience, mais en English. Je me présente. Quand je me présente, le monsieur quitte le bureau. Puis il revient. Oui, il y a un dossier contre vous. Je dis, dossier Kani. Ou l'escrocaka de dizaines de milliers de. Comme l'a dit l'honorable Kiler. C'est ce que je m'étonne. Je me dis, Ayani Itaka. Anayua, wapi?
Piripiri ya ukukuri ya itakuwasha je. Je dis, nini escroquaka? Je dis, wa, je suis là. Inapenda nione, ule muntu ule nilimu escroquaka. Akuye anioneshe, wapi nilimu escroquaka? Combien et quand? Ok. Tchung, aratok. Il revient, il comme balaba. Je dis, ok, je suis là. Jusqu'à 17h. Non, qu'est-ce que je suis à 8h? Je dis, non. Je suis dans l'état fouta que j'ai escroqué. On y entend un bel sur PV. Parce qu'on a dit que je plainte. Est-ce que nous avons une belle plainte? Nandina et Aoule Ali. Elle dit plaindre contre. Oui, demain vous saurez. J'ai dit alors, on y entendre bel. Non, demain, je vais vous entendre la confrontation. 8h juste. Papa, 7h40, moi je suis là. 8h. Oui, je l'appelle, il est en route. Attendez, si vous avez des courses, vous pouvez faire repasser à 14h. 14h? Mais oui. Non, on a fait mon embouteillage, on a pita, tout ça. Patientons dans une heure. 16h, non, on a fait mon embouteillage, il y en a. Il y en a, il n'y a plus pas de taxi. J'ai dit non. Mais c'est le magistrat, ne jouez pas avec moi comme ça. Je suis avocat, des professions. C'est maintenant que je commence à me présenter. Je suis avocat de profession. Je suis mandataire de l'État. Vous ne pouvez pas me prendre du temps sans connaître le nom du plaignant, sans voir même la plainte. Non, patientez, je dis, comment quelqu'un qu'on a escroqué des dizaines de milliers de dollars peut manquer les transports? Je lui dis, ok, pour éviter même les encombrements ou quoi ce qu'il dit, il n'y a pas les transports. Alloué à ta petit porteur. Mais pourvu qu'il me dise où, quand et comment je l'escroque. D'abord, l'escroquerie date de quand? Oh, date de juillet, entre juillet et août 2022. J'ai dit, très bien. Moi, j'ai des éléments. Le DGM qui m'a interpellé contrôle les mouvements de la population. Tous ceux qui entrent, et comme tous ceux qui sortent, ils ont des registres. Moi, je n'ai pas fait Kinshasa au mois de juillet, août. D'ailleurs, j'étais en dehors du pays. J'ai des preuves que je vais vous présenter. Mais je voulais connaître la personne et la plainte. Oui, ça va. Ils sont. Donc, ils sortaient toujours pour appeler. Ils reviennent en ce moment. Anacha Yokunjina Amung. Il laisse ça au nom de Dieu. J'ai vécu des choses. Oui. Et c'était un calvaire. Tu sais, toi-même, quand tu quittes la ville, c'est que tu n'as plus rien dans la poche. Tu as déjà tout dépensé. Tu te dis, je rentre chez moi. Maintenant, il fallait commencer à payer l'hôtel par jour, 135 dollars. À manger les transports. Pendant 6 à 3 semaines. Quelle situation! Et on y en est chez traumatisme. Il n'a pas. Et moi, j'ai connu ça. Et quand j'ai vu qu'on était en train de me rouler, j'ai dit au magistrat, j'engage les avocats, je dois connaître la personne et je dois porter plainte ici. On ne peut pas se jouer des gens comme ça. Vous portez plainte et vous dites, moi, je pardonne au nom de Dieu. Comment ça va se passer? Cette personne, je suppose, il a ses identités. Et elle a ses identités, elle a son adresse, et moi je vais l'attaquer en justice. Non, ça va vous prendre encore des temps. Si vous pouvez juste rentrer, vous dites que vous êtes mandataire, vous êtes avocat, il y a des clients qui vous attendent là-bas. Si vous pouvez rentrer. Où est-ce que vous conseillez? Hein? Oui, on attaque pour Nishkiria, mais pour l'homme, il attend. Waouh! Depuis quand? J'ai dit, je dois voir le PG. C'est comme ça que je suis allé voir le PG. Et on m'a fait un avis de cessation de recherche. J'étais recherché comme un criminel par la DGM, l'Interpol, commissariat provincial de Kinshasa, l'administrateur général de l'ANR, tous les services de sécurité. Pourquoi je peux connaître un tel traitement dans mon propre pays, la République démocratique du Congo? Quand on m'a... Les gens viennent m'accueillir, ça vous fait mal.
et par conséquent et mettre ses fers à Ramadan. Et quand on a remis la vie de cessation de recherche, je suis allé à la DG. Pour encore avoir juste ces billets avion à passeport, j'ai fait encore 3 jours. Le document du parquet est là. Retournez-moi mes histoires. Tout est un problème encore. Le jour là qu'on m'a remis mes histoires, c'est le jour que j'ai alerté pour dire j'ai fait l'objet d'interpellation. Ni l'utiliser tout cas souplesse pour que Benguine va détracter Bachikouye va ingriemo. Et quand on n'a pas de problème avec des gens, c'est Dieu qui nous justifie. Et tous ceux qui ont fait ça, je suis passé une fois à l'émission aussi, j'ai dit que mon guaba oumi. Parce que moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un et tout ce que nous faisons, nous n'en faisons personne et nous le faisons pour le bien-être de la population. Où est le problème? Et depuis là, depuis que je suis rentré, ça fait pratiquement un mois presque, dans quelques jours. Mais l'honorable Killer passe pour ça. J'ai dit, le moustique gagne. Il est remonté à tout. Pan! Pour que un mois après, Arudi M. Où il a un plan. Et pour vous, ça justifie que c'est lui qui était derrière ces dossiers. Je ne l'ai jamais cité. Pire, il est au Kouach et au Koukouri et à Kouach. Mais il se trouve que ce sont vos sympathisants au sein d'ensemble qui l'auraient appelé pour dire que tout se disait à l'ICASI que c'est lui qui était à l'origine de votre interpellation. D'ailleurs, je vous dis ceci. Avant de répondre à vos questions, je remercie d'abord tous les hommes de Dieu qui m'ont mis en prière, tous les imams. Je vous dis, j'ai reçu les appels de très haut niveau, des gens que je ne pouvais jamais croire m'appeler. Mais ils me disaient toujours une chose, tout ce que tu fais pour la population devant Dieu va te justifier. Et sois très à l'aise, nous connaissons que ça va terminer. Et ça m'est fortifié. Vous savez, quand vous êtes dans telle situation, même un message de compassion suffit. Et vraiment, je n'ai rien à leur donner à part demander à mon Dieu que je prie. Nous prions le vrai Dieu qui nous justifie. Il pourra tout simplement les bénir. Merci. Et si vous permettez, qu'on autorise cette fois-là aux téléspectateurs. Vous avez une question à poser à Maître Séphin, vous avez un avis à émettre, c'est le moment ou jamais, on vous accorde quelques minutes rapidement pour recueillir les quelques appels, 10 minutes ou 15 minutes au maximum pour recueillir les quelques appels. Donc vous avez une question à poser à Maître Séphin, vous avez un avis à émettre par rapport à ce qu'il y a comme contradiction entre les dires de Maître Séphin et ceux de l'honorable Killer Moubambe. C'est le moment ou jamais pour vous d'appeler, passer en direct et poser vos questions. Maître Séphin est là, disposé à pouvoir vous répondre. Allez-y. Oui, et aujourd'hui, j'ai dit que ça appartient au passé. Vous savez, il y a quelqu'un qui... Si vous permettez, qu'on prenne ce tout premier intervenant qui nous appelle depuis quelque part. Allô, bonsoir. 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 À qui a bon l'honneur et votre point de vue? Moi, c'est Chanel Charman Funta. Monsieur Chanel, vous avez la parole. Oui. Moi, mon avis, je voudrais poser la question à Maître Séphin Ramazani. Il cherche à ce qu'on revienne à l'époque de M. Mobutu où on avait l'habitude de marcher avec toutes les cartes possibles ou comment? Si la carte d'électeur ne suffit pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que Maître Séphin a compris votre question et il va devoir y répondre. 099, il voudrait savoir, est-ce que vous voulez qu'on revienne à l'époque de Mobutu où on était obligé de marcher avec toutes les cartes possibles pour que vous puissiez vous promener avec votre carte d'électeur et votre passeport, comme vous l'avez dit, dans la ville-province de Kinshasa. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Mountain. Bonsoir. Je suis la maîtresse Saint Papa, je suis la maîtresse Saint Papa,
Je suis entendu, on m'a fait ma question de mon apposé. Il connaît, quand on a un membre à mettre ses frères, quand on a un membre à mettre ses frères, merci bah beaucoup. Moi, c'est toi, avant, bah moi, Cheko, bah moi, Cheko, bah j'ai engagé mon adengine, bah mourumi, mettre la tête, on a kumbuka ma kama. Merci beaucoup, maman, de votre point de vue. 099 389 33 24. 099 389 33 24. Pour ceux qui nous suivent du côté de la radio, 099 389 33 24. 081 008 16 14. 081 008 16 14. Allez-y. Oui. On m'a posé la question pour savoir... Si vous permettez qu'on prenne cet appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Maintenant, tu as posé la maître question. Est-ce que vous avez un problème dans le président qui est remontable? Vous pouvez débattre devant tout le monde ensemble. Est-ce que vous entre vous, comment vous allez m'aider? Merci beaucoup. Oui, les téléspectateurs voudraient bien savoir si vous pouvez mettre l'oreillette. Question de commenter, commencer bien évidemment à suivre toutes les préoccupations des téléspectateurs. 099 389 33 24. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est Alexandre de Cité qui pourra. Oui, votre point de vue. Pourtant, regretter, hein. Vous avez une situation de politicien. Mais on a fait aller au maître serveur, on a fait ma salle, on a eu une famille. Il faut que je vous dise que vous famille, au lieu de quoi vous êtes en machine, vous êtes en habitude. Je viens de faire regretter ça. Merci beaucoup de votre point de vue. 099 389 33 24. 099 389 33 24. 081 008 16 14. 081 008 16 14. Vous appelez, vous passez en direct et vous posez votre question à Maître Sefer. Allô, bonsoir. Waouh, je pense que le téléspectateur est parti. Pas d'injure, pas d'attaque personnelle. Posez votre question sur base des dires de Maître Sefer. Vous n'avez aucun besoin de vous attaquer à X ou Y personne. Vous avez seulement besoin de poser la question. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? C'est Monsieur Hassan. Monsieur Hassan, vous avez la parole. Allô, Monsieur Hassan? Waouh, Monsieur Hassan est parti. Je pense que c'est un problème, je ne sais pas, des crédits ou des réseaux, donc du réseau Vodacom ou RTL, je ne sais pas. Mais vous aussi, vous avez un avis à émettre. Vous avez une question à poser à l'honorable Maître Sefer Ramazan Issefou par rapport au conflit qu'il opposerait à l'honorable Ekiler. Posez la question. Allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Trésor. Bonsoir, mon nom est Saoutine Kwako. Minata Kouyama, ensemble, la Kouangati ou Mkongo. Deux. Pour aller me porter plainte, Monsieur Sefer Ramazan, Minani. Il était question de Minata Kouyama. Merci beaucoup, Mwanaume. Je pense Maître Sefer Nashikia atajibu ya kwa question yako. 099 389 33 24. 081 008 16 14. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Ni maman, nani mune tuiti ya wapi sauti ni kwako? Ni maman virusi, maman virusi. Ndiyo minamita. Ndiyo papa, sese na mwa cheko. Unole iki pei, ni kiashe bote. Ni kuria kwa. Na kama taya mtu inenea, mshimuwe kia barrier. Iye kwa, kama mungu wari mchakula, tapita baka. Hivi vyote hivi, nidiagule, shibo tatu kwa pasajer, bapa pa dunia, bamuatia na eta yake. Merci beaucoup mama kwa point de vue yako. 099 389 33 24. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? C'est M. Ken, c'est juste une question de savoir comment est-ce que nous devons commencer à marcher avec tous les pièges aussi, dès que nous sommes dans notre pays. Je voulais juste aussi savoir comment est-ce que Maître Sefer Ramazan était porté plainte à Kinshasa aussi longtemps qu'il avait les pièces d'identité. Merci
beaucoup de votre point de vue. 099 389 33 24. Rapidement, quelques questions pour que Maître Séphin puisse réagir à ses préoccupations, à ses différentes préoccupations. On va prendre cet appel. Allô, bonsoir. Allô, papa. Ni maman Kasongo, papa. Maman Kasongo, ça outini quoi? Maman, papa, tout na sema tout ya mambo ya Maître Séphin. Mais tu na regretté, Maître Séphin, je suis peut-être que tu na ko émission ya ko. Arkwa na pita ko émission pa tu mona ke tu kwanza kujuliza ni nini u baba shipita ke tena ko émission vile anza kupita nzamani kumbe bako basha kumubamba. Tunalomba kia kabaila kupeple alikasi kuba mambre bote ba ensemble bote ba namufaire confiance ile kupale ni mameza tanti yabo ya Maître Séphin na Maître na Killer. Bashi tuwekeye ma complication bo bade mu parti politique batachi po parti yetu yende kumbele juu Moïse asha kupenda ba mama bashi tulabishie ko parti yetu papa juu ya mambo ya wa bo bade kama ni bo bade babiache shimenye ba mama tutachagula ta mtu kutu. Merci beaucoup, maman, de votre point de vue. 099 389 33 24. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô? Papa Ilunga. Papa Ilunga, ça outine quoi? Papa, Maître Séphin, le monde est sale. Oh, comment on a dit sale, papa, il y a une vieille famille à vous voir. Mais, courage, il n'y a pas de vie. Pour la couper, délicatio, tu vas la gamboire de fois, tu vois, c'est. Voilà, courage. Merci beaucoup. 099 389 33 24. 099 389 33 24. Vous appelez, vous passez en direct et vous émettez votre point de vue par rapport à la réaction des maîtres Séphin Ramazani Sefou suite aux accusations de l'honorable Killer Mubambe à l'égard des maîtres Séphin Ramazani Sefou et vice-versa, parce que pour l'honorable Killer Mubambe aussi, il plaint le fait que certains sympathisants des maîtres Séphin Ramazani Sefou l'accuseraient d'être à l'origine de l'interpellation de ces derniers dans la ville-province de Kinshasa. 099 389 33 24. Avant de continuer avec la prise des appels, je pense qu'on va aussi procéder à la lecture rapide de certains messages qui nous sont envoyés de part et d'autre. On prend d'abord cet appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? Oui, c'est M. Dac, je vous aime bien, en tout cas je suis sûr. Est-ce que vous pouvez revoir à la hausse les volumes de votre voix? Affirmatif, je dis que je réponds au nom de Dac quand je suis en train de suivre votre émission, je suis tellement très content de voir Maître Séphin de parler à propos de son sujet là-bas. Le problème, c'est quoi? Maître, soyez à l'aise. Nous les jeunes, malgré tout coup caché à votre famille, bien, nous maman Bouguine, mais nous sommes derrière vous. On va bien te soutenir. Na utapita bila shaka lolote. Ile yote banajua ni nguvu yako na maneno maevre yako kunakuwa natumika, jo yenyewe unakuwa nakumbanishiwa. Alors, Mungu yuko na wewe, angalia baevre kunatumika. Mungu ataweka mkono yako na yote atakia kutoka magoti kwako na kukulomba huruma kwa bilele binyewe ya rakewa nafanya bile bibaye. Kwa naruhu wazi na paka vile unatumika, batu yote vile unatemunye likasi mzima, haiko wete ni utasema, ni batu vile watakusema. Ile yote waliangalia ke unenda tena kumuetufe kule njuu ya kusema uo ushikilike tena mnivu national. Tanke unaweka ili babariere mewenjo unaendelea. Uwaeke anakufasha sa publicite ili bana kujua na mnivu national suite ya kukwarete kule kwa aeroport.
tant qu'il y a pas publicité, mais il y a une fois la publicité, ben on a kujua, comme on commettre, comme on retourne au licasi, na on a fait ça nini, na nini nini on fait ça avec le chasse. Alors, tia moyo, usikwe na wasiwasi ya kusema ke kutakuwa nini, Mungu atakuchunga na kufuatana kuinye kiloko na kuna saidia watumishi wake. Antuka merci. 099-389-33-24. 099-389-33-24. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Waouh. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bien à qui avons-nous l'honneur et votre point de vue? Papa Jean-Paul. Papa Jean-Paul Sautinko. Toi, Oulisa, Nini, Nibanafi, Kanga, Nanku, Kubut, Bekunaweka, Mayaï, ça, ça, Bana, Pia, Mukisangana, Dua, Nini. Merci beaucoup, Maître Rasikia Takujibuya. Bon, Kukote, Maître, Yatuyu, Bouba, Bouyan, Pania, Nkuya, Kimbo, Bouvenu, Bana, Yuan. Merci beaucoup. On va prendre cet autre appel. Allô, bonsoir. Allô? Les téléspectateurs sont partis. On prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Waouh. Les téléspectateurs sont aussi partis. 099-389-33-24. Allô, bonsoir. Allô? Jambo sana ni papa nani mwenetuti ya wapi kama unaweza kupandisha kwa sauti tukusikilize. Ndiyo sauti ni kwako? Merci beaucoup de votre point de vue. On prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Allô, papa. Oui, maman. Ni maman, ni mon étudiant, puis ça, tu ne peux. Ni maman, ça, tu as dit. Dio, maman, ça, tu ne peux. Merci beaucoup, maman. On prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Allô, papa. Jambo. Jambo, sana papa ni papa nani mon étudiant puis ça, tu ne peux. Papa, c'est mon quartier dynamé. Ndio papa sauti ni kwako? Neta kumuita kwa maître. Mimi na chemsha hii ma problemi yote amekuja pale hivi. Bila muizi iko ukura ni problem. Merci beaucoup atakujibuya. Okay. 099-389-3324, le temps presse, on est obligé de laisser Maître Sefin réagir aux interventions des uns et des autres. Bonsoir, Monsieur Montou, c'est Monsieur Harmonie. Allez, allez, on prend cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Montou. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? Monsieur Harry, Monsieur Tegu. Monsieur Harry, ça a-t-il une quoi? Mandi, Maître Sefin, à qui on va faire? Kampani yake tutaifanya mandani ya mpizi ituru yake hii akisa au tukusema mtu wenye kuwa na matunda mzuri njona pikuwa kama hivwe akiogope kitu mbetu wa juru tutamutafuka tubedu na idarite yake tutafanya kampani yake sana. Merci beaucoup. Merci de votre point de vue. On prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Waouh, les téléspectateurs est parti. On prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. À qui avons l'honneur et votre point de vue? C'est monsieur Elvis. Hein. J'avais juste à encourager le maître Stéphane à la vision qu'il est en train de mener. Nous savons que c'est une très bonne personne et qu'elle est appelée à amener un grand changement dans notre ville, dans notre communauté.
Et tout ce que nous voulons dire, c'est qu'il doit continuer dans cette même voie parce que nous attendons beaucoup de lui. Sachant que Mouchi parle papa n'a toqué un coussin, Mouchi et Matouna Djuna Pikoka Maïboué. Il doit continuer à persévérer parce que nous savons que les bonnes choses sont en train de venir et nous attendons beaucoup de lui. Et nous savons que cette fois-ci, vraiment, la réussite nous attend. Ensemble avec lui, nous allons encore réussir et nous allons glorifier le Seigneur pour cela. C'est ce que nous avions à dire. Merci. Merci beaucoup. On prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman. C'est à qui avons-nous l'honneur de votre point de vue? Merci beaucoup, maman, de votre point de vue. On prend cet autre appel. Allô, bonsoir. Waouh. Les téléspectateurs sont partis. On prend cet autre appel. Là, en tout cas, les appels comme s'ils ont plevé. Alors, bonsoir, Trésor Muntu, c'est Monsieur Harmonie Mouzevuka. Maître Sefou Ramazani, c'est un homme sérieux. Des fois, je collabore avec lui. Je vais demander à l'honorable Killer, ils ont échoué leur mandat. Il n'a pas un bon bilan à faire. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô? 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 Je pense que le téléspectateur n'a rien à dire. On lui dit quand même merci depuis quelque part où il est en train de nous suivre de partout à l'Ikassi. On prend ce message qui nous dit merci beaucoup. Bonsoir. Courage, camarade, avec votre intervention. C'est le camarade Adolphe Di Lamono qui vous envoie ce message. Courage, camarade. Moi et ma famille, nous sommes derrière le président Katumbi et Maître Sefer Ramazani, c'est les camarades. Dit la mono qui est revenu encore une fois de plus. On prend ce message qui nous dit allô, bonsoir. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Dis-le, maman. Bona docteur ya bote bora poja kama ile la kuangalia kwa maasi basi tu maigere na kufumanisha bana watu na kwa maestre. Merci beaucoup maman. On prend cet autre message qui nous dit salutations, merci beaucoup, merci à vous de votre point de vue. On nous dit l'honorable a raté une occasion de se taire, mille raisons d'espérer pour mettre ses fers à Mazani Sefou. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? Monsieur Omer. Monsieur Omer, vous avez la parole. Ninasema nasema hivi Maître Sefer Ramazani achiweze hata kujira mate parce que yeye bana mchua mulikati maevre yake na ana tu hata na importance kupita kunani ku chaîne kusema parce que yeye eko vraiment eko naonekana ku bantu c'est bien le bintu atana shimama ku mbele ya bantu bila na importance parce que acha kujifa kampani yake isha kujifanya yeye. Merci beaucoup de votre point de vue. On prend ces messages. Donc, ces messages qui disaient mille raisons d'espérer pour Maître Sefer Ramazani venaient de Maître Samson Kapenga Macron, à qui nous disons bonsoir et merci d'interagir dans ces magazines. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, papa. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? Nimi, papa Roger. Dio, papa Roger, ça t'in quoi, quoi? Minata, vous me connaissez, Maître Sefer. Tout mon état de droit, mon tout en appel de faire des gens qui n'ont pas de boulot. Bien, je n'ai pas de conseil. Merci beaucoup à vous de votre point de vue. En tout cas, le temps presse. Il ne nous reste que 5 bonnes minutes pour recevoir les appels et conclure avec cette émission. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Ni maman, ni mon étudiant, puis ça, tu ne quoi, quoi. Ni mama Leolande mpaka mukini hapa baba mimi nasema sasa si bazila joyous hapa si bazila joyous tunampenda ule baba batuache naye ule baba tuna, bas,
tuachie na tunajulikana fashi yote tunatembea tu jia ule baba ule watu senda shiba mashikini mamwache eko tu ule ukishasa ule mpena mikumu wangu vio ni nini batuachie eko tu na shiba amulikasa tuvimi na kumukini tuko natoka kumukini nosea tunaka kumulikasi yetu tunafuhe. Merci beaucoup maman de votre point de vue. Rapidement on nous dit oh là là. En tout cas, les appels. Allô, bonsoir. Oui, allô. Allô, bonsoir. Oui, Muntu. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis John de Caen SNCC. Je voulais juste dire merci. Pour vraiment, il faut laisser tranquille notre fédéral. C'est quelqu'un qui est sympa, c'est quelqu'un qui est sympathique, c'est quelqu'un qui est simple, il n'est pas orgueilleux. Merci beaucoup de votre point de vue. En tout cas, c'est Abraham. Je vais demander, donc je ne sais pas ce qu'il voulait demander à Maître Sefe, mais son message s'est arrêté à ce stade. Bonsoir, c'est GR depuis UCS. Merci beaucoup à vous, Monsieur GR depuis UCS. Je ne sais pas, on prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? Dio Sautin, quoi quoi? Ninasema hivi, metre sefe bamwache kimya. Wale bena tapita kuge, batapata nje batoto ya shikulu. Juu, Mobutu wakimala kende wa Zabanga, harikufwa. Bamwache metre sefe. Baitija bote batukitu rumi vuka. Bote kumikonga metre sefe. Mekumpike ni... Merci beaucoup de votre point de vue. On prend ces messages rapidement parce que nous courons derrière les temps. Plus que 3 minutes pour arrêter avec la prise des appels. Maître Dieu est avec toi, c'est maman Lodine. Bonsoir Monsieur Trésor, nous aimons Maître Séphin Ramazan Issefou. Courage à lui pour ses actions. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? L'auditrice est partie. Merci. On prend ces messages rapidement, plus que 3 minutes pour la conclusion de Maître Sefin. Bonsoir à mon émission, c'est Papa Alain Tango Fort. Maître Sefin, c'est la politique, sois fort et persévère, dans tes actions, ne crains rien, nous sommes avec toi. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? Merci beaucoup de votre point de vue depuis quelque part dans la montagneuse ville d'Elikasi. Quoique vous avez refusé de donner votre nom, on nous dit bonsoir, c'est Monsieur Joseph Mukendi. Je voulais savoir pourquoi est-ce que Maître Séphin Ramazani et son ami Killer Mubambe ne règlent pas les problèmes loin de la caméra, donc en famille, la Mouka. Bonsoir, moi c'est Joseph Mukendi. Pourquoi est-ce que Maître Séphin et l'honorable Killer ne règlent pas les problèmes au sein de la famille, la Mouka? On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. À qui avons l'honneur et votre point de vue? Alors, c'est Monsieur Fébi. Je suis à Kouliza, Maître Séphin, à étonner chez Kombele Touyoué, réaction à Président Moïse. Quel est le problème? Il y a pour Président Moïse, à chaque Touyoué, réaction à qui? Merci beaucoup de votre point de vue. On va prendre cet autre appel considéré comme l'avant-dernier. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est Chantal depuis KSNCC. Moutaché, mon papa, ça et tout. Ni papa, Andani, à peine la moudini et Tarikasi évolue. Moutaché, cola et trompenda sana. Merci beaucoup, maman Chantal. Depuis le KSNCC, rapidement, on lit quelques 3 ou 4 SMS aussi. Pour conclure avec cette émission, bonsoir, monsieur Trésor. Maître Séphin Ramazan Issefou mérite d'être président à l'ICASI parce que la base aime Maître Séphin. C'est les camarades Becker qui nous envoient ces messages. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur et votre point de vue? Bien, papa Paul Nakuita, je vous sais, ma papa Oule. Nani Séphin Ramazan ni mutu avant tout. Ule Killer Mubambe ule atumuyua ta kumuyua ta vote yake ata vila dipitaka tukumuyua te me amwache Séphin Ramazan ya pakaji.
Merci beaucoup de votre point de vue. On va prendre... En tout cas, les appels, les temps pressent. Donc, on est obligé d'éviter d'avoir des petits soucis avec la direction des programmes. Bonsoir, papa, c'est Christelle en panda. Je soutiens Maître Séphin. Merci beaucoup à vous, Madame Christelle. Bonsoir, monsieur, avec Maître Séphin. C'est monsieur Killer. Il faut parler les passés, même donc, des députés. Je ne sais pas... ce qu'elle voulait dire ou ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup. Merci. On se dit bonsoir à monsieur Trésor Muntu, c'est Trésor, monsieur Trésor Muntu, c'est Trésor Hassan. J'ai dit ceci: être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de cette chaîne. Merci beaucoup. C'est de vivre d'une manière qui renforce la liberté des autres. Ça, c'est d'après ces téléspectateurs. On prend ça comme le tout dernier appel. S'il vous plaît, après cet appel, on ne prendra plus un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous savez que Satan a eu à venir à Mounto. Eni a chia convoqué ma élection dans le balance du chien beau comme la fois agité. Ils ont fait leur batch de mine et batomique parce que moi, beaucoup de tomique a ton impact positif à ta moi. Et quand tu sais quoi ça carrière, toi tu es venu de batomique pour que tu espères ma chie pour vivre comme aujourd'hui. Sinon, comment est-ce qu'il faut qu'il y a des cas, mais le cas qui n'a pas sa carrière, comment est-ce qu'il y a été comparé à des cas absents. Merci beaucoup de votre point de vue. On prend deux derniers messages rapidement. Bonsoir, monsieur Muntu, c'est moi, monsieur Dak, juste pour vous dire que vous êtes témoin suite aux appels qui tombent comme une pluie. Alors, je demande à Maître Séphin qu'il soit seulement calme. Ça, c'est d'après ces téléspectateurs. Bonsoir, c'est papa. Les enfants, maman, Nathalie, c'est Christelle. Oh là là, en tout cas, merci beaucoup à vous, madame Nathalie. Il faut laisser notre bon maître. Merci beaucoup. On nous dit bonsoir, monsieur Trésor. C'est monsieur Otiniel qui soutient Maître Séphin. Ramazan Issefou. Merci, en tout cas, il y a pas mal d'SMS, pas mal d'appels. On ne sait pas répondre à tous les appels. Ne nous tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Toutes vos réactions, vos suggestions, Maître Séphin Ramazani aura peut-être à vous donner, si il le souhaite, son numéro privé pour que vous puissiez continuer à échanger avec lui. Si vous avez des suggestions, des remarques et autres, il aura à lui-même décidé s'il peut vous donner le numéro. Dans les cas contraires, vous pouvez continuer à nous appeler. Nous allons lui faire part de toutes vos doléances, vos réactions, vos suggestions et autres. Maître Séphin Ramazani Issefou, on vous accorde quelques minutes pour réaction en conclusion, parce que je ne sais même pas s'il y aura des réactions, parce que tout a été dit. Exactement. La population est avec vous. Alors, un mot pour conclure. Vraiment, moi, pour conclure, je vous remercie, la population, et qu'on a tout soutenu. En même temps, elle va tout soutenir, parce que nous sommes en démocratie. Si même l'enfant de Dieu, Jésus-Christ, a été qualifié de magicien, de fils d'un menuisier par d'autres, mais il y a d'autres qui ont cru en lui. Mmh. Et c'est ça même notre vie. Et nous respectons leur point de vue. Par rapport à d'autres qui m'ont dit ici, que parce que leurs noms, ils sont nombreux, par rapport à ma question, pourquoi ils ne règlent pas leurs problèmes en famille, comme M. Joseph Mukendi, que de dire ça publiquement. Je ne suis jamais passé, moi, ici, aux médias, pour citer qui que ce soit, mais je suis étonné que cela vienne d'un honorable député un mois plus tard, devant les médias, acquiescer, ne pas réagir. Parce que comment je réagir, c'est que qui ne dit mon consent. C'est que mine à reconnaître, Bill Alifani, Alissema. Et il fallait aussi éclairer l'opinion. Qu'est-ce qu'il y a au fait? Et je pense au travers de l'émission, Batubiko éclairer de ce qui se passe au niveau de Nini, il y a ensemble. Mais est-il vrai que, pas chile qu'on a quoi que ma bouteille, Aïkosa qui fait Nini, Kubumbana. Mais je ne souhaite pas que cela continue. Nous tous, nous sommes rangés derrière une seule personne qui est Moïse. S'il y a des positionnements politiques, il y a plusieurs candidats, moi, ensemble. Ce n'est pas seulement mettre sa fin. Si je me retire aujourd'hui de la politique, est-ce qu'on ne peut pas vivre? Bengina Batakwaka Eli. Mais pourquoi on peut toujours s'acharner? C'est là que je comprends même d'autres auditeurs qui nous ont jeté des fleurs. Elvis, Maman Élisée, Harmonie, Otiniel. Henri, la liste est vraiment exhaustive. Ils sont nombreux qu'on ne saura pas citer pour dire, ben, j'étais qu'à Ribwe Koule,
kumuchile kona mafrui ya kuivya. Et nous, on est polémique avec personne. D'abord, ce n'est pas notre éducation qui le tire. Moi, je ne peux pas venir ici commencer à citer nommément les gens. Tel a fait ça, tel a fait ça. Mais nous venons, même quand nous débattons, nous parlons par rapport aux faits. Kaminasima banamishinda, ma balabala inako, tout ça. Je ne cite personne. Mais au moins, libanga la molili. Ouais, côté. Ouais, enfin, hein, donc, nakubamba. Et là, il faut en faire un problème. Donc, je prie que nous puissions aller dans une même vision tous, celle de pouvoir implanter les partis ensemble, parce que nous sommes dans la phase d'implantation. C'est un jeune parti. Il faut faire des mobilisations pour que Batouba adhère mon parti. Être élu par les gens, c'est un fait. Mais aussi, faire ce que la population demande en est une autre. Ce que par là, vous comprenez que il ne suffit pas de vous dire que moi je suis député. Pendant que Kajile Barikupa a ouifagné pour que la population soit satisfaite par rapport à la qualité. Alors, il y a 21 000 $. Je voulais tout 21 000 dollars calme. Parce que personne ne vous demande ça. Mais au moins 5 ans après, au coup, il y a tout mangé population. Bon, mais quoi, pas 21 000 dollars par mois. Multiplié fois 12 mois. Ni combien? C'est que 264 000 dollars. Fois 5 ans. À partout, mon agneau, on est venu comme Belen. Nous, on a 1 200 000 dollars et on calme. Alors, quand on a peine, mon niveau, on n'a mis pas qui coimbe. On n'a mis pas polo. Venez même avec tel discours parce qu'on en a bilan. Vous n'avez rien fait. Et au-delà de tout ce que nous voyons par rapport même à ce qui s'est passé, moi je ne suis jamais passé ici pour citer le nom de l'honorable Killer. Jamais. Pas je sais, il est de ma famille politique. Mais c'est à lui de se reprocher ce qu'il n'a pas pu faire pour la population. Mais quand je passe, tout ne va pas à l'Ikasi, je ne le cite pas. C'est pour éviter, il est... Non, il a dit, contre son propre camp. Je ne peux pas. Parce que je suis là aussi pour le soutenir d'une façon ou d'une autre. Mais quand vous pouvez m'exposer publiquement, je pense que vous avez l'échantillon. Merci. Parce que tout simplement, je n'ai pas de problème avec des gens. Et la population a témoigné pour moi. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci beaucoup, Maître Sefer Ramazani. Une question à laquelle vous attendiez que je puisse vous la poser, je n'ai pas eu à le faire. Vous y répondez en 30 secondes. L'Est, le problème de l'Est nous préoccupe au plus haut point. Vous y répondez et en 30 secondes. Et nous soutenons le chef de l'État dans toutes les démarches qu'il est en train de mener. Et nous avons vu au moins pour la première fois la communauté internationale Kuichiki à Rwanda, qu'on a agressé Congo. Ce qui n'a jamais existé depuis le régime passé. Et c'est suite à la diplomatie au moins agissante du régime. Il faut le reconnaître. Parce que nous sommes dans un moment où nous devons nous souder. Nous devons être unis pour le bien-être de notre pays. Les gens qui viennent là ne viennent pas pour l'intérêt des Congolais. Ils viennent c'est pour nous prendre notre terre et nos ressources. Et nous devons nous opposer farouchement. Et c'est à cela que nous disons la semaine prochaine, parce que le communiqué va passer, peut-être le samedi, nous aurons une grande marche ici à Likasi. Et ça sera une marche de toutes les institutions. Les élèves, les étudiants, les mamans, les papas, nous allons montrer à la face du monde que les Congo et les Congolais sont jaloux de leur pays. Et ils sont unis. Contrairement à ce qu'ils disent que non, voilà, il y a de la discrimination contre une communauté. Les Congolais n'ont jamais connu ça. Les Congolais, bien qu'ils soient pauvres, ils aiment toujours être ensemble. Là, vraiment, ça, c'est caractéristique moi à bas Congolais. Il est non échappé que le meilleur est à venir. Comme aller autour qu'on a tessoa, quel chonaïo. Tout à fouraille. Et voilà pourquoi je demanderai à toute la population pour que ces jours-là que nous allons communiquer incessamment,
que ça soit une réussite par rapport à la marche, il est tout qu'on a soutenir. Bah, FRDC, malgré ma miette, le bigon a bapatia, malgré ma 21 000 dollars, bigon a bapatia, bah, député, mais bah, bapatia, bah, militaire, 260 000, au moins, ils sont en train de se sacrifier pour sauvegarder notre identité nationale. Et c'est là que je pouvais, pourquoi pas, proposer aux députés, au lieu de passer votre temps, parler de ces faits Ramazan, vous proposez, par exemple, qu'on puisse réviser l'article 217 de la Constitution. L'article 217 de la Constitution dit, et ça met à mal notre souveraineté, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Papa, depuis quand on a pays abandonné partiellement souveraineté pour l'intérêt de l'unité africaine. Et c'est vraiment une disposition piège qui risque de nous rattraper. Bon, on vous dit, bon, on donne momentanément cette partie-là à tel pays et tel pays pour la cause de l'unité africaine. Et nous avons déjà vécu ça même à l'époque de Joseph Sarkozy. Devant notre Parlement réuni à Congrès, il a dit, si vous voulez la paix, il faut accepter de partager vos ressources avec les pays voisins. Mais l'actuel régime vient avec cette politique. Pour dire, vous cherchez quoi? Vous n'avez pas de ressources. Ok. Nous acceptons que ma ressource y est tout. Rien de quoi. Comme ça, vous gagnez. N'achetez ton enfant à l'île, tu n'as gagné. Mon a signé ma accord. Papa, mon abe ban aviation et nous, agence d'aviation, mon avec un siège international, mon Goma, mon Congo. Qu'on vous donne encore quoi? Alors, c'est de la mauvaise foi. Deux, il y a des gens qui concoctent, qui ne voudraient pas voir ces grands pays être unis, qui voudraient à tout prix pour que ça soit au moins balkanisé. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question, mais je souhaiterais que Maître Séphin y réponde par oui ou par non. S'il arrive qu'au niveau d'Ensemble pour la République, on reconduit l'honorable Kyler Mbambe comme président, Maître Séphin quitte Ensemble? Oui ou non? J'accepterai si sportivement, parce que moi je suis légaliste. Voilà, l'émission s'arrête donc ici. Elle a été conçue par les bureaux des programmes mis en onde côté radio par Manga Otiniel. Merci à Louange Mouyumba pour sa bravoure et sa bonne réalisation de cette émission. Pourquoi pas à la personne d'Isidore Ngoy qui était derrière la caméra. Maître Séphin a été mon invité pour répondre à ces différentes questions. Merci. C'est plutôt nous qui vous remercions. Mais il y a une question que les téléspectateurs ont demandé. Pourquoi vous n'êtes plus dans les médias pour répondre ou pour faire espérer la population qui comptait sur vos idées? Oui, nous continuerons à le faire. C'est compte tenu peut-être des charges que nous avons actuellement, des déplacements, ou sinon nous sommes disponibles. Et à chaque fois, quand il y a l'invitation, ne tardez pas à nous faire part. Voilà, retrouvez cette émission en rediffusion demain sous le coup de 6h et 10 bonnes minutes. Trésor Montou sera au rendez-vous demain 19h pour un autre numéro du débat de ce soir. Prenez soin de vous car à chaque jour suffit sa peine. Bye.